Talk to Me, brought to you by Wicked Good Cupcakes. People often say Parisians are rude. I decided to prove them wrong. I'm Julian, and this is my show. Salut Grégory. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, Grégory Marchand, donc. Chef à Paris, rue du Nil, dans le 2e arrondissement. Le nom de ton restaurant là-bas, c'est? Le restaurant Frenchy. Le restaurant Frenchy. Qu'est-ce que tu proposes là-bas? On a un restaurant dans la rue du Nil, on a un bar à vin juste en face, et là on vient d'ouvrir un Frenchy to go, donc qui est un takeaway, un deli un peu new-yorkais. Ça a répondu à une demande de tes clients ou c'est toi qui as senti qu'il y avait quelque chose à faire? J'ai toujours voulu faire la street food, vente à emporter, faire quelque chose de bon et d'utiliser tout le savoir en fine dining, on va dire, pour justement la mettre dans un sandwich. Dans mon parcours, moi j'ai commencé la cuisine, j'avais 16 ans et j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de vivre dans plusieurs pays, entre autres Londres. Tu faisais quoi à Londres exactement? À Londres, je cuisinais, j'ai fait plusieurs restaurants, dont le restaurant de Jamie Oliver où j'étais chef de cuisine pendant 3 ans. Parle-nous un petit peu de ce qui se passe autour de nous là. Alors là, on a deux beaux cochons à la broche qu'on va s'en servir pour faire des petites bouchées, voilà, là, dans pas longtemps. Et puis il y a des démos aussi de cuisiniers un peu. Là, on a un cuisinier de Montréal, Marc. Voilà, il y en avait de New York. Moi, je suis passé juste avant. Très bien. Voilà, expliquer un petit peu. J'ai présenté le Frenchy to go en fait. Notre vision de ce que. Ma vision du deli un peu new-yorkais takeaway. C'est sur l'initiative de qui tout ce qu'on a, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui finalement. C'est Omnivore qui a été créé par Luc Dubanchet, le fondateur, et il voyage de ville en ville dans le monde entier à la découverte de nouveaux chefs. Ils font des démonstrations, ils organisent des dîners à quatre mains. Ok. On entend tout le temps qu'aux États-Unis on mange très mal, etc. Visiblement tu as passé du temps à New York. Moi pareil, ça fait un moment que j'y suis. Et je peux dire sans aucun problème, tu vois, qu'on ne mange pas mal à New York. Si on veut bien manger à New York, c'est possible. Est-ce que tu partages cette vision ou qu'est-ce que tu en penses? Je pense que plus que de New York, aujourd'hui on peut bien manger partout dans le monde. C'est vrai que maintenant les gens voyagent, on a des moyens beaucoup plus simples de faire voyager des idées, des concepts, des produits. On mange bien à New York, c'est une ville magnifique, il y a une scène incroyable, c'est un vrai melting pot. Donc on a plein d'influences du monde entier qui viennent se greffer à une cuisine en fin de compte qui n'est pas ethnique, qui n'est pas fusion, c'est juste voilà, une cuisine d'aujourd'hui avec des techniques quand même à la base françaises, mais qui vient s'agrémenter de plein de cultures différentes. Est-ce que tu trouves qu'à New York on peut trouver des produits qui sont d'aussi bonne qualité qu'en France? Oui, j'étais à Union Square Market pas plus tard qu'hier, et bon, en même temps là c'est vraiment la période parfaite pour ça. On est fin de l'été, début de l'automne, donc là on a des produits à foison, des produits magnifiques. J'ai vu que tu avais des livres aussi, que tu as écrit des livres de cuisine. Alors un livre, oui, un livre. Je te voyais déjà avec des livres. En fait, c'est les cuisines du Frenchy Atome. La cuisine du Frenchy Atome, c'est donc des recettes qu'on fait au restaurant, qui ont été simplifiées et adaptées pour pouvoir les faire à la maison. C'est 32 recettes classées par saison, avec quand même au cœur des recettes les produits. Et d'ailleurs, il est traduit là, il est en train d'être traduit aux États-Unis. Il sort aux États-Unis en mars là, 2014. D'accord, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à toi de m'avoir gentiment interviewé. Il n'y a pas de souci, et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao.